Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les lots mystères. Et cette fois, alors je vais découvrir, je vais ouvrir devant vous un lot de cartes. Alors, il n'y a pas tant de cartes que ça, que j'ai payé pour le prix de 400 euros. Alors les amis, oui je sais, c'est beaucoup 400 euros. Il y en a qui vont penser que c'est complètement fou. Mais en fait, j'ai acheté un lot de cartes du set de base. Alors il n'y a pas de cartes holo rares, il me semble. Pas de cartes extraordinaires, mais il me semble que c'est un lot de cartes du set de base. Je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, aussi, ça a un petit message aussi pour que chacun puisse faire attention. J'ai payé 400 euros, mais je ne me permettrai pas de payer une telle somme sans vérifier le lot que j'achète en main propre. C'est-à-dire que d'être sûr que ce ne sont pas des fausses cartes, être sûr aussi de la qualité des cartes, parce que vous avez des annonces sur Internet, des photos, mais vous ne vous rendez pas forcément compte de la qualité des cartes. Alors voilà les amis, le lot de 400 que j'ai payé 400 euros de cartes Pokémon. Allez, je vais les découvrir avec vous dans cette vidéo. Et on va en discuter. Alors, la première carte, je vais y retourner tout simplement. Ça va être plus simple. Trio Picker. Voilà, alors c'est une carte rare du set de base. Normalement, il n'y a que des cartes du set de base. Donc, dès là, déjà, voilà, c'est une carte, une super carte. Vous voyez, déjà, ce qu'il faut regarder, donc c'est ici, on voit bien que c'est une carte du set de base. C'est la 19. C'est une rare. Et surtout, c'est une carte de première édition. Vous avez le logo ici. Donc, les cartes de première édition sont encore plus recherchées que les cartes normales. Après, ce qu'il faut regarder, c'est aussi la qualité de la carte. Et comme vous pouvez voir, la carte, elle est... Je dirais qu'il y a juste deux petits points blancs. Elle est quasiment... Elle est mine, quoi. La carte est mine. Elle est en vraiment très, très bon état. Donc, voilà, voilà. Effectivement, j'ai dépensé 400 euros. Mais là, on rentre vraiment dans des cartes qui sont déjà en première édition. Donc, c'est des cartes qui sont très recherchées. Celle-là, elle vaut, à mon avis, pas loin de 100 euros, au moins une centaine d'euros à la vente au minimum. C'est juste pour vous faire un ordre d'idée. Là, je fais une vidéo découverte et je ferai une deuxième vidéo sur la valeur réelle du lot que j'ai payé 400 euros. Alors, effectivement, le lot, je l'ai payé 400 euros maintenant. Mais si ça se trouve, dans un an, il n'aura pas du tout la même valeur. Ça se trouve, le prix des cartes va baisser, ça se trouve, il va monter, enfin, voilà. Allez, deuxième carte qui est plutôt en très très bon état aussi à nouveau. Smogo. À nouveau, 7 de base, c'est une commune, la 51, et c'est une carte de la première édition. À nouveau, en super super état, excellent état. Donc là, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. Troisième carte. À nouveau, alors celle-là, elle est encore en meilleur état, elle est carrément presque near mind. Je dirais qu'elle est mind. Dresseur Super Potion. Donc celle-là, c'est une carte peu commune. Oui, c'est une peu commune. C'est la numéro 90 du set de base aussi. Et c'est une carte première édition. Vous avez l'information ici en bas. Et elle est carrément en version mind au moins. Mind, hein. C'est vraiment top, top, top. Alors normalement, il y a peut-être même des cartes dont l'état sera carrément introuvable à la vente. Je parle, moi j'ai beaucoup de références à Card Market, parce que c'est le marché où les cours sont un peu, quand même, reflètent vraiment un peu la réalité des cours. Et c'est vrai qu'il me semble, avec un peu de chance, que je pourrais même avoir des cartes qui n'existent pas à la vente. Allez, la quatrième carte qui est en état, vraiment très très bon état à nouveau. Hein. Et là, c'est Rafale de Vent, donc c'est un dresseur. C'est la numéro 93, c'est une commune, et à nouveau, c'est une commune première édition, les amis. Alors, dans ce lot-là, il me semble qu'il y a quasiment, je sais pas, il y a peut-être 25 cartes à peu près. Et sur les 25 cartes, il y en a au moins un peu plus de 20 qui sont de première édition. Allez, c'est parti, on continue. Topicker, à nouveau, une commune, c'est le numéro 47. Et à nouveau, première édition. En qualité, super, excellente qualité. Voilà. C'est vrai que 25 cartes, 400 euros, il faudrait que chaque carte vale au moins 20 euros même un peu moins 15 euros pour être rentable. À nouveau, une carte. Hein. Très bon état. C'est pour ça que, pour ce prix-là, je préfère aller voir un peu les cartes, l'état des cartes, avant de pouvoir me faire une idée. Alors là, on a la suppression d'énergie. C'est la 92 sur 102, c'est une commune, et une nouvelle première édition, légèrement abîmée en bas à gauche. Mais bon, il n'y a que ça. Allez, hop, une nouvelle carte. Super état. Allez, hop. Celle-là, elle est carrément near mint. Hein. Récupérateur. Ah, bah, c'est une rare.
C'est une rare dresseur, c'est la numéro 74. Alors, par contre, celle-là, c'est une version normale. Je vois pas marqué première édition dessus. Non, non, il n'y a pas de première édition. C'est une version normale, les amis. Voilà. Mais en tout cas, elle est Nearmind, une version normale Nearmind. Celle-là, une carte un peu abîmée sur le côté. On voit un peu une différence. Et c'est Roukou. C'est la numéro 22. C'est une rare. La version, elle est en normale. Il n'y a pas de première édition. Ok, je continue. Une carte qui est vraiment en bon état là. Juste un petit poc sur le côté. Ratatak, c'est une peu commune à numéro 40 et c'est à nouveau une première édition. Ah, c'est cool. Alors, c'est vraiment des très belles cartes parce qu'en tant que collectionneur, c'est vrai que compléter sa collection avec des cartes, après, on a co-confort. Une carte de première édition, c'est la 33 sur 102, c'est une peu commune première édition à nouveau. C'est pareil, elle est en état au moins Mind, voire presque. Il y a un petit POC ici, elle est Mind. J'aurais presque dit Nearmind sans ce petit POC. Après, il y en a une légèrement abîmée ici. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Défendeur, c'est un dresseur. La numéro 80, c'est une peu commune. En bon état, on va dire. Et première édition aussi. Voilà, celle-là, elle est en bon état. Bon. Allez, je continue. Celle-là, c'est une carte, elle est plutôt un peu abîmée sur le bas, là. Un peu abîmée. Lamantine. Alors, Lamantine, c'est la 25 sur 102. C'est une peu commune. Et première édition aussi, ici. Vous avez le logo, ici. Alors, normalement, j'ai acheté, pour aussi précision, c'est que des cartes françaises. Ah, là, la carte, elle est vraiment en super état, ici. Bon, là, c'est une carte qui est carrément en Nearmite. Je vois pas de POC. On va voir de l'autre côté. Roukoul, les amis, Roukoul, première édition, donc c'est la numéro 57 sur 102, c'est une commune, mais elle est en état Nearmind. Ça c'est cool, vraiment c'est cool. Bien sûr, toutes les cartes ont été plastifiées et mises sous pochette. Alors celle-là, elle a des petits points blancs ici. Bon, je regarde l'état avant de les retourner. Et là, j'ai Caninos! C'est une peau commune, la numéro 28 sur 102. C'est une peau commune, première édition à nouveau. Ah, c'est vraiment à nouveau, je dirais un état excellent, hein, à nouveau. Allez, je continue. Alors celle-là, elle me paraît, il y a des petits points blancs peut-être sur le bas à gauche, c'est tout. Et c'est Fantominus. 50 sur 102, c'est une commune, première édition. Et là, c'est pareil, l'état, je dirais, Mind, presque Mind. Ouais, il y a un peu un blanc en bas à gauche, on va dire. Il est Mind, l'état, il n'est pas near Mind, à cause de ce petit point, mais il est Mind, état Mind. Donc c'est plutôt quand même du super état. Ouais, je continue. Alors, celle-là, j'observe sur le côté, là, il y a un petit point blanc ici en bas. Ok, c'est du Mind aussi. Qu'est-ce que c'est? Guérison totale, un dresseur, la numéro 82 sur 102, c'est une peu commune. Et première édition à nouveau. Donc c'est cool, c'est vraiment cool. Là, normalement, de toute façon, j'ai, il me semble, un peu plus de 20 cartes. Je crois qu'il y en a 25 dans le lot. Ce sont que des cartes du set de base déjà. Il me semble qu'il y a un peu plus de 20 cartes de première édition. Allez, on continue. Qu'est-ce que c'est que ça? La carte, je regarde s'il n'y a pas un petit point. Ah, effectivement, il y a un petit point là, un petit point blanc là. Donc celle-là, elle a un état Mind. Kadabra. Kadabra. C'est le numéro 32 sur 102, c'est une peu commune. Édition, première édition, à nouveau. Ça, c'est par contre, celle-là, elle est super, super intéressante parce qu'elle est vraiment en état. Elle est en Mind parce qu'il y a juste un petit point blanc ici en bas à droite. Sans plus, quoi. Ah, super état. Super état. Allez, je continue. Bon, là, par contre, je vois des petits points blancs, un peu plus de points blancs. Bon, on va dire un excellent état. Sabelette, c'est la numéro 62 sur 102. C'est une commune première édition. Ah, nouvelle, très très belle carte. Allez, je continue. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, il y a un petit POC ici. Là, non, ça c'est autre chose. Là, des petits points blancs en bas à droite. Donc, excellent état. Mini Draco. C'est le 26 sur 102. C'est une peu commune. Et c'est à nouveau première édition. L'état est quand même excellent là. Hein.
première édition, un peu commune. C'est quand même une carte super sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme état? Ouais, j'ai quelques petits points blancs là. Ouais, je dirais que l'état bon, bon, excellent, entre bon et excellent, on va dire. Allez, Onyx! Oh, Onyx, c'est une commune à 54 sur 102 et première édition à nouveau, les amis. Je ferai un petit point après de toutes ces cartes. On va voir ensemble. Alors là, bon, là, c'est légèrement un des petits points blancs. Là aussi, ouais, là, celle-là, c'est un état un peu moins que bon, je dirais. Vaporisateur rétrograde. Ah, c'est une rare! C'est la numéro 72 sur 102 et première édition en plus. Ah, bon, dommage, l'état est pas... Ouais, c'est un état un peu moins que bon, je dirais. Mais c'est quand même une rare, la 72 sur 102 et première édition surtout, les amis. Donc, franchement... Allez, là, on a un petit POC ici. Qu'est-ce que... Des petits points blancs là. Bon, allez, c'est pas grave. On retourne. Machoc ! C'est une commune, la numéro 52. Et c'est une première édition. Bon, je dirais que l'état est plutôt bon là pour celle-là. Bon, quelques petits points blancs. Allez, on continue. Ah, là aussi, j'ai quelques petits points blancs. Le côté cornet. Ah, c'est un peu moins que bon là parce que je vois qu'il y a des petits points blancs. Et là, c'est Flûte Pokémon. La 86 sur 102, c'est une peu commune. Et à nouveau, première édition. Première édition, les amis. Ah, là, elle est... Je regardais sur les côtés. Les petits pocs sur les côtés. Bon, un peu moins que bon, on va dire. Ah, il m'en reste deux. Alors, qu'est-ce que c'est celle-là? Des petits points blancs. Un petit point blanc. Et là, j'ai... Hop, Soporifique. C'est la numéro 49 sur 102. C'est une commune. Et première édition, les amis. État correct. Et la dernière carte de ce petit lot, elle est abîmée par contre sur les côtés. Un peu, ouais, c'est la carte qui est un peu plus abîmée que les autres, c'est dommage. Là c'est Énergie Plante. Ah, c'est plus pour la collection qu'autre chose, c'est la numéro 99 sur 102. Hein. Et puis on a le logo première édition, les amis. Alors voilà, c'était un lot qui m'a coûté 400 euros. Alors là, ils vont me dire, je suis fou ou pas. Eh ben, je vous invite dans la prochaine vidéo, tout simplement, qui sera un petit bilan du coût de ces cartes et du prix de revient, effectivement. Après, voilà, les amis, c'est très difficile de trouver des cartes de première édition du set de base. Vous pouvez en voir en vente. Les prix, des fois, sont exorbitants et c'est difficile de savoir aussi si vous n'avez pas affaire à une fausse carte ou pas. Là, j'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer quelqu'un qui vendait ses cartes et je voulais vous présenter ce lot comme ça. Ça peut faire une idée à chacun, c'est-à-dire que moi, je préfère pour ce type de cartes les acheter en main propre. Au moins, je m'assure de vraiment de la qualité de ces cartes et que si ça vaut le coup. Ici, par exemple, combien il y a de première édition de 3, il me semble qu'ils y manquent toutes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, non, c'est pas première édition non plus, 18, 19, 20, 21, 22, 23 cartes première édition et 2 qui ne sont pas de première édition, les amis. Donc, effectivement, ce lot coûte très cher. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi la qualité des cartes. Et comme vous pouvez le voir, les moins bonnes cartes ont quand même un état plus que correct. Et il y a aussi des cartes du set de base que j'ai pu récupérer qui sont en état quasiment near mint. Et ça, c'est pareil. Je pense qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui en vendent ce type de cartes. Et justement, la valeur peut être exorbitante. C'est à voir, justement. Après, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est pour ça que je peux faire une estimation dans une prochaine vidéo. Je ferai une petite estimation. Ça pourra donner un ordre d'idée à tout le monde. Mais si ça se trouve, dans un an, ça ne vaudra plus rien. Le marché Pokémon se serait écroulé. Ou si ça se trouve, dans un an, les prix auront peut-être triplé. Je ne sais pas, parce qu'en ce moment, ça prend une ampleur quand même de fou. Les cartes Pokémon, ça prend des valeurs de fou. Puis peut-être que mon intérêt, ça serait aussi de voir celles qui sont mint, voire near mint,
et de les faire grader en PCA, comme ça elles sont en plus certifiées PCA, et puis certifiées, ça apporte une valeur encore supérieure. C'est quasiment, ça multiplie par 10 la valeur. Donc je sais pas ce que ça sera à voir, mais là déjà, ça permet de vous faire une idée. Voilà. Alors bien sûr, moi c'était une occasion. Alors, j'ai payé 400 € ce lot-là. J'ai eu une occasion, j'ai rencontré une personne. Si j'avais voulu acheter ces cartes à l'unité, j'aurais peut-être payé, je sais pas, le prix. Je pense qu'il m'a fait un petit prix. J'aurais payé un peu plus cher, je pense. J'aurais peut-être pas trouvé ces mêmes cartes d'ailleurs, parce qu'elles sont pas forcément en vente, dans le même état aussi. Parce que là, il y a quand même des états qui sont plus que corrects, des très très bons états. Les cartes sont vraiment bien 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 conservées. Et puis surtout, j'aurais eu des frais de port, voire de gestion, pour pouvoir récupérer autant de bonnes cartes ensemble. Parce que à mon avis, il y a très peu de vendeurs qui étaient capables de vendre toutes ces cartes en même temps. Là, c'est une occasion. C'était un coup de bol. Effectivement, ça paraît cher, mais bon, moi je le vois pas comme ça. Je vois aussi la possibilité de compléter une collection, la possibilité de pouvoir investir pour la suite, et la possibilité aussi de faire une vidéo et de pouvoir partager cela, partager la passion et partager aussi mon expérience à d'autres personnes. Voilà, et vous communiquer un petit peu ma façon de voir les choses, et aussi si ça peut éviter à chacun de se faire arnaquer sur les prix. Sur la qualité, c'est ce qu'il faut regarder, les amis. Regardez aussi première édition, ça c'est très important quand vous voyez une carte du set de base. Regardez bien si elle est marquée première édition. Une carte classique du set de base, ça vaut beaucoup moins. Une carte première édition, ça vaut quasiment 10 fois plus cher qu'un prix d'une carte classique. Regardez aussi la qualité. La qualité de la conservation de la carte. Si la carte, elle est vraiment en bon état ou pas. S'il y a beaucoup de petits points d'usure, des choses comme ça. Plus la carte sera de qualité, plus la valeur sera exponentielle. Surtout des valeurs de cartes qui sont aussi anciennes, c'est très important. Regardez aussi la langue. Moi, j'ai tapé sur des langues françaises. Bon, après, il y a peut-être aussi des cartes de langue étrangère qui peuvent valoir pas mal et qui peuvent être très cotées. Mais la langue, disons que si c'est une langue qui est plus recherchée ou pas. Par exemple, dernièrement, les boosters qui sortent en français, c'est rupture de stock. Par contre, vous pouvez trouver de l'espagnol, de l'anglais. Là, il n'y a aucun problème. Donc c'est pour vous faire un ordre d'idée, en sachant que les cartes françaises, c'est beaucoup plus recherché, il y a beaucoup plus d'acheteurs, et donc les prix sont beaucoup plus élevés. Voilà. Mais ce qui va ressortir, c'est quand même, les amis, la qualité de la carte. Un vrai collectionneur qui a les moyens de payer et d'acheter une carte, il achètera, quitte à payer 100 € de plus, chez celui qui a la carte en meilleur état possible. Il s'en foutra, parce que lui, ce qu'il voudra, c'est avoir la carte en meilleur état possible, surtout si c'est en plus un collectionneur investisseur et qui va avoir une carte et la garder pour le long terme, avec la possibilité éventuellement que le prix soit décuplé. Voilà. Alors après, moi j'ai tapé dans cela aussi parce que c'est du set de base et première édition. Et ce qui est ancien, eh ben, c'est ce qui prend de la valeur. Voilà, les cartes plus récentes, la vraie valeur, ça va être le fait qu'il y ait une rareté à l'ouverture du booster et que vous allez piocher une carte comme ça qui peut valoir 30 € dans un booster. Effectivement, vous allez pouvoir la vendre à 30 € et puis récupérer votre booster qui vous a coûté 6 €. Sauf que c'est un coup de bol. Je dirais qu'il faut aussi, quand vous êtes collectionneur, vous faire plaisir, compléter vos collections. Et si vous souhaitez investir pour la suite, allez taper là où vous avez la possibilité de voir des prix qui augmentent. Les premières éditions, par exemple, les premières éditions d'une collection. Parce que là, je vous parle des cartes Pokémon, mais ça peut être aussi les cartes Magic. Il y a un set de base à Magic. Il y a des cartes qui, à part Magic, c'est exponentiel, hein. Mais il y a des cartes à plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est quelque chose de fou, hein, maintenant. Donc Pokémon, on n'en est pas là. Même si des fois on entend des prix exorbitants. Mais les prix exorbitants, les amis, c'est pour des cartes Near Mint. Elles n'ont pas un petit point blanc sur la carte. Alors moi je ne sais pas, il y en a qui ont. J'en ai repéré quelques-unes qui sont en état excellent. Voilà. On voit, par exemple, je vais vous montrer celle-là, elle a un petit point ici. Donc voilà, celle-là, elle ne sera pas en Near Mint. Il n'y a pas grand-chose, hein, sinon la carte est super, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est des cartes vraiment qui sont Near Mint, qui vont avoir une cotation à plus de 9. Et celles-là, effectivement, elles peuvent valoir des milliers d'euros, mais parce que déjà que c'est difficile de trouver un exemplaire d'une carte du set de base, et en plus de première édition,
Alors, je vous explique pas la difficulté en plus et pour en trouver un qui soit en état parfait. C'est-à-dire que la probabilité, c'est qu'il y en a très très peu dans le monde et donc forcément les prix vont devenir exponentiels. Voilà, donc c'était un petit tour d'horizon en même temps de cette folie Pokémon, des prix qui vraiment qui explosent. Et ce que je peux faire, alors ça va être difficile là, je peux faire une deuxième vidéo à la ce que je. Que je vais faire sur les prix pour vous faire un petit peu le rapport prix de ce que j'ai payé, même si pour moi 400 euros avec la visibilité sur plusieurs années, je pense que c'est pas grand chose pour ce lot-là. Mais je vous ferai une autre vidéo pour vous faire un rapport prix de ce que j'ai payé pour vous faire un ordre d'idée. Voilà, c'était dommage. Après ces cartes, je vais les ranger parce que j'aurai presque refait une vidéo dans un an ou deux sur ces cartes-là. Il faudrait, je sais pas comment je peux faire pour les ressortir. Peut-être me faire une liste et puis comme ça, je les ressors et puis je refais un rapport sur dans un an la cotation et l'évolution de la cotation. Ça peut être sympa. Je vous donnerai rendez-vous pour une troisième vidéo dans un an. Et puis comme ça, chacun pourra se faire un ordre d'idée sur l'évolution des prix qu'il y a eu au cours de cette année. Et puis je vais voir et je vais farfouiller pour voir s'il n'y a pas des cartes qui sont à l'intérieur et qui, dans cet état-là, eh ben, n'existent pas à la vente. Ça peut être possible, tellement c'est difficile de trouver des cartes du set de base. Voilà, il y en a, vous en trouverez, hein. Mais première édition, c'est beaucoup plus compliqué. Et après, qu'il soit dans un état super, c'est encore plus compliqué. Voilà. Et puis surtout, qu'il soit à la vente. Parce que quelqu'un qui a une carte comme ça, il sait que ça va encore plus prendre de la valeur, il va pas la mettre en vente. Ou alors, c'est quelqu'un qui en plus, qui la collectionne. Donc, ces cartes-là, en plus, qui ont des prix exorbitants, quelqu'un qui va acheter, par exemple, celle-là, je sais pas moi, il va peut-être mettre 30 euros, mais il va pas la vendre. Derrière, il va la garder. Donc déjà qu'il y en a très peu en vente, si en plus ceux qui achètent, eh ben derrière, ils ne les vendent pas, ils vont les garder pour le long terme. Donc en fait, il y en aura de moins en moins en vente. Donc à un moment donné, ce qui sera en vente, eh ben ça sera que les cartes de ceux qui ont besoin de récupérer de l'argent. Et c'est pour ça qu'à un moment, il y aura plus d'acheteurs que de vendeurs et que les prix vont donc monter, tout simplement. Et puis à un moment, il y a aussi ceux qui voudront vendre parce que les prix ont monté, qui vont se faire de l'argent à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le temps, déjà que la qualité des cartes s'altère, c'est difficile de pouvoir garder les cartes en très très bonne qualité. Et puis de toute façon, ceux qui vont acheter maintenant, ils vont pas les vendre tout de suite. Donc en fait, c'est ce que je constate depuis 2 ou 3 ans, les prix vont commencer à exploser. Avec l'arrivée aussi des gros nouveaux acheteurs, ces nouveaux acheteurs, c'est des anciens joueurs qui étaient petits, qui maintenant commencent à travailler, commencent à avoir des salaires et sont prêts. C'est pour ça qu'en France, c'est tout en rupture de stock. Et maintenant, ils dépensent une partie de leur salaire et ça ne les dérange pas d'aller claquer 200, 300 euros pour une famille qui sort, une nouvelle famille. Donc tous ces anciens enfants qui ont grandi, maintenant ils arrivent, ils achètent plein, plein de boosters et puis bah, il n'y en a plus pour tout le monde. Et là, c'est la guerre. Donc c'est un constat, ça a explosé. Et là, j'ai eu une opportunité. Donc je suis bien content de pouvoir vous faire découvrir ces cartes de première édition et puis d'avoir pu en discuter et d'avoir pu donner un petit peu un maximum d'infos là-dessus. Voilà, je vais faire une deuxième vidéo, comme je vous dis, du rapport du prix de ces cartes. Et puis, je vous dirai aussi après derrière, rendez-vous dans un an pour une troisième vidéo avec une évolution du prix sur un an. Ça serait sympa de voir ce que ça donne. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.